Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un morceau assez simple et rapidement sur GarageBand, qui est un logiciel de Apple. Je vais vous montrer sur Mac. Donc ça, on peut l'enlever. Juste avant d'arriver sur cette fenêtre-là, il suffit juste de cliquer sur Projet vide. Donc créer un nouveau projet, Projet vide. Ici sur la gauche, vous avez tous les instruments qu'on peut utiliser donc pour faire nos propres sons, créer nos propres morceaux, tout ce qui est batterie, guitare, piano. Nous, on ne va pas créer nos propres sons, vu qu'on va aller rapidement. On va aller directement ici en haut à droite, dans boucle. Et boucle, ça va être ce qu'on appelle des loops, c'est des sons déjà préenregistrés qui vont passer en boucle. Donc, on va essayer d'en trouver un sympa. On va aller dans jingle, par exemple. C'est celui-là. Ok. Donc là, on va partir sur quelque chose d'assez électro apparemment. Il suffit juste de le glisser sur la gauche dans le track en dessous. Celui-ci, on va pouvoir l'enlever parce que piano, on ne va pas s'en servir. Voilà, ici pour écouter. Et ce qu'on peut faire ici, si on va en haut à droite, on a une petite icône qui apparaît avec une petite boucle. Et en tirant, ça suffit juste pour prolonger la boucle indéfiniment, en fait, vous choisissez le nombre de fois où ça va se répéter. Ensuite, on peut écouter. On va essayer de trouver un son sympa à ajouter par-dessus, donc un petit rythme. Revenir là-dedans, dans électronique. Chercher directement dans la barre de recherche un beat. C'est quelque chose qui va bien coller avec la mélodie du coup. Donc pas ça. Non plus, on va chercher quelque chose de plutôt simple. Donc ça pourrait coller, on va tester. Donc ça me va. Je vais les glisser directement en dessous, dans le track du dessous. On peut repartir du début. Et pareil avec l'icône, on va pouvoir prolonger, pouvoir avoir le nombre de fois où on veut que ça continue. Et ce qu'on peut faire, c'est également décaler la séquence, juste en la glissant par là. Donc on peut, par exemple, la mettre là pour que cette séquence-ci commence juste après celle-là. Donc on va écouter les deux ensemble. Voilà, donc ça fait un petit son assez simple. Après, pour vous donner une idée, on peut également en tester d'autres. Donc là, j'en ai un. Que je connais bien celui-ci. Donc lui, on va pouvoir le glisser en dessous. Et si on veut, pareil, je le duplique. Et si on veut entendre ce que ça donne, du coup, cette mélodie-là, donc le synthé avec ce rythme-là, on part du début et on peut mettre en mute juste ici cette mélodie-là. Donc là, les deux ensemble, ça va donner ça. Voilà. Donc si on veut enlever une piste, supprimer la piste. Après, voilà, disons que ça nous va. On peut jouer avec les séquences, on peut jouer avec les variantes ici. On peut, du coup, si ça nous plaît, enregistrer directement au local sur notre ordinateur, partager vers iTunes, vers SoundCloud. Et ensuite, c'est possible d'enregistrer notre voix, nos propres instruments
et les rajouter ici dans les tracks et jouer avec les variantes et tout modifier jusqu'à créer une chanson complète. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous aura donné envie de vous amuser un petit peu avec le logiciel.